Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez tous bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Eh bien, c'est pareil de mon côté également. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vous propose la réalisation hyper facile des petits cailloux. Des petits cailloux bicouleurs comme l'appellent mes louloutes. En réalité, c'est des petits cailloux ordinaires auxquels on mélangera des petits cailloux au cacao. Le résultat très beau et le goût exquis. J'espère que vous les apprécierez autant que moi. Voici la liste des ingrédients. De la farine de blé, du sucre en poudre, des œufs entiers, de la margarine, du lait demi-écrémé, de la poudre de cacao, de la noix de muscade et de la vanille liquide. Dans un récipient, tamisez la farine de blé en réservant le tiers. Y rajoutez le sucre en poudre, réservez également le tiers, y râpez l'équivalent d'une demi-cuillerée à café de noix de muscade, mélangez l'ensemble, ajoutez-y la margarine, sans oublier de réserver le tiers, vous pouvez remplacer la margarine par du beurre mou. Sablez l'ensemble en écrasant la margarine avec les doigts, puis frottez le tout entre les mains. Faire un puits au milieu de la farine, y ajouter un œuf entier, puis un blanc d'œuf, réserver le jaune, y ajouter le lait demi-écrémé, n'oubliez pas d'en réserver le tiers, malaxer l'ensemble, former une boule et la réserver. Dans un autre récipient, tamisez la farine de blé réservée et la poudre de cacao. Y ajouter le sucre en poudre, mélanger, faire un puits au centre du mélange et y incorporer le reste de la margarine, sabler l'ensemble, y ajouter le jaune d'œuf, la vanille, le lait. Réserver. Fleurez un plan de travail et y étalez chacune des pâtes à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. La découpez en utilisant une roulette ou un couteau, verticalement, puis horizontalement, farinez légèrement et réservez dans un récipient. Dans une poêle sur feu moyen, mettre de l'huile et y faire frire les petits cailloux en les remuant régulièrement dès que l'huile est chaude. Les égoutter dès qu'ils obtiennent une belle couleur ambrée. Quant à la friture des petits cailloux au cacao, surveillez de près pour que la couleur ne vire au noir, ce qui leur donnerait un goût très amer. Remuez régulièrement, puis égouttez-les après quelques minutes de friture.
Mélangez les deux petits cailloux de sorte que les chocolatés fassent à peine le tiers des autres. Laissez refroidir et servir. Bonne dégustation. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner si vous avez aimé. À bientôt.